Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade. Alors sachez qu'il y a une mise à jour qui apparemment améliore la vitesse des textes, parce que je disais tout le temps que... Merde, c'est pas ça que je voulais dire. Je disais tout le temps que ça allait trop vite. Et apparemment, ils ont modifié ça. Ils ont rajouté des trucs pour améliorer un peu les armes. Ça, je l'avais vu aussi. Ils ont racheté un peu d'amélioration. Bon, il n'y a pas grand-chose en plus. Et surtout, ils ont rajouté des costumes, apparemment. Non. Eh bien, c'est ce qui était noté dans leur truc de mise à jour. Mais bon. On verra bien. Après, ils vont peut-être en re-rajouter après. Alors, où est-ce que je devais aller, moi? On peut aller là? Ah oui, mais j'ai pas encore le pouvoir des portes jaunes. Ok. J'ai pas encore le pouvoir des portes jaunes. Ah oui, ici, on avait ouvert là. C'est vrai. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. On avait maintenant aussi le pouvoir de casser les portes vertes, là, bizarre. On avait déjà rencontré plusieurs fois. Ah, merci. Investiguer. On a allumé un truc là-haut. Très bien. Il va y avoir un lien entre les symboles et la statue de la reine. Ok. Merde, j'ai pas regardé c'était lequel. Une étoile avec un cercle. Ok. Ok. Ah, d'accord. Il faut le bon symbole au bon étage. Je crois que ça, c'était ça. Ok. Alors. Il faut le bon symbole au bon étage. C'est parti. Donc le dernier, c'est un triangle avec machin, comme ça. D'accord. Non, d'accord, l'oiseau, c'est un oiseau. Une sorte d'oiseau. Les plantes, c'est le triangle, avec un cactus. Le chat, c'est le chat. Le truc bizarre, ok. Et le dernier, c'est le cercle. Le dernier, c'est le cercle, ok. Alors. Oui, non, je peux pas me TP de là. Mais je peux me TP d'ici. Je m'en souviens déjà plus. Ça va me revenir quand je vais voir les symboles.
Alors, l'arbre, c'est le cactus. C'est ça. L'oiseau, c'est l'oiseau. Ça, c'est ça. Et celui-là, c'était ça. Quel talent. Voilà, on m'en souvient. Comme quoi. Des fois, en faisant fonctionner son cerveau, ça fonctionne. Ok, j'ai pas envie de refaire tout ce passage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Sachant qu'on avait là aussi où on pouvait aller. Allons d'abord ici. Il y a clairement un truc en dessous. Apparemment, ça mènerait à un point de sauvegarde. Ah, nice! Ça, c'est cool. Peut-être me mettre au point de sauvegarde, comme ça, si on meurt. Donc, le boss, on va revenir ici. Le point de sauvegarde sera débloqué. J'ai 3000. On va acheter ça. Un impact gravitationnel, appuyé sur Y pour déclencher une surcharge de l'épée tactique. Okay. Et ça, on a dit que c'est des 12 000. Ok. Déjà récupéré ça. Enfin, déjà 6 de moins à récupérer. D'accord que ça pue. Est-ce que ça veut dire que le point d'explosion énergétique est fermé à l'ampli du surplomb de la forêt tropicale? Ah, c'est tout. Pas de boss, rien. Okay. Mais je vais me téléporter là, on va faire cette zone là. Hein. Ouais, j'étais sûr qu'il allait avoir un boss. Ok. Un peu déçu là pour le coup. Truc d'épée. Ah bah. Allez, ça dégage. Ok, nice. Voilà, il y a eu.
Aïe, aïe. Ok, c'est bon. Eh ben... C'est que des shuriken maintenant. Pourquoi il y a R2-D2 ? Attissement, la zone devant vous appartient à la zone à haut risque. La demande de fermeture de cette zone a été soumise au groupe Orscon. Orson, pardon. En attendant l'approbation de cette demande, tout le personnel de combat doit éviter. Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment. Oh. D'accord. Un autre poulpe. Un plus gros bonus. Les modifications rares pieuvre, docteur Avius, l'énergie contient augmente la puissance d'attaque de Tania de 2. Ah oui, ça aussi, ils ont baissé la puissance des poulpes d'or apparemment. Ah. Par contre, il me faudrait clairement un saut de plus là. On ne peut pas y aller. On a eu le peu et on a eu le poulpe, donc tout va bien. Oui. Ok. Tout ça, ça a été fait. Conseiller. Consoler les défunts. Ah oui. Oui, là c'est les... Ok. Mais là on sait pas où est-ce qu'on est quand on sélectionne ça par exemple. Là je dois Camille ça. Ouais, il te dit tout le temps. Ah non, centre de recherche Orson. Et le pic du surplomb c'était là-haut. On va retourner ici. Il me semblait que j'avais trouvé le pic du surplomb. Nombre de chats 2. Ah, j'avais peut-être juste été là et j'avais pas débloqué de... Ouais, ça doit être ça. Je vous avais dit que c'était une zone difficile ici, hein.
On a ça, on a ça. Ah, nice! Nice! Allez, on y va. C'est pas mal, hein, la transformation avec les étoiles là. Qui m'a tapé. Oh, vas-y. De baisser. Allez. Dommage qu'il n'y ait pas de point de sauvegarde plus près. Ça me consomme pas de munitions d'ailleurs, intéressant. Quoi ces trucs là? Inutile contre eux par contre. Les grandes plantes là, c'est inutile, les shurikens. Ok.
Ah, ok. Par contre, contre eux, ça les défonce. Mais l'attaque des shurikens, là. Sympa. Ils font mal les plantes. Elles font mal, pardon. Okay. Déjà vu ça. Ok. Nice. Ok. Ça, hop, ici, ça, hop, hop, là. Oula. C'est saturé en rouge. Je sais pas si un daltonien voit grand chose ici. Il n'y a pas de point de sauvegarde ? Quand même, j'allais dire. Alors, t'as combien de sous? Ah, je suis à 11 000. Attends. On va bientôt avoir l'épée niveau max. On va aller. On va aller farmer un petit peu là. C'est ça. Non, je peux faire ça. Okay. Quoi ça? Ah, mais c'est lui! T'as bugué, mec! Aïe! Par contre, il peut me taper. Je vais te taper aussi, moi. Voilà, moi je peux aussi taper à travers les murs. Ah, ah. L'épée sera au niveau max. Et après il faudra améliorer ces trucs là aussi. Quantité 20. Ah, il m'en rajoute 20, c'est ça? Mais j'ai toujours pas d'hormones et de boucliers, pourtant on me parle bien de d'hormones et de boucliers. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous tuer comme ça. Ça va très bien. C'est bon. Ok. Ouais. Voilà.
J'ai chu, chef. Ok. Ok. Ah, c'est pas crochet. Vous connaissez mon grand skill pour ça par contre. Ok, nice. Mais ok. Il y avait alors laisse-moi deviner, je viens de trouver un truc pour le gel et je rentre dans une caverne de glace. Il y aurait un... Est-ce qu'il y a un rapport à votre avis? Je crois avoir une réponse à cette question. Ok, un chat. Je crois que c'était ça le gel. Thank you.
Par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir des points de sauvegarde dans le jeu? Il suffit qu'il en demande un pour que ça arrive. J'en demandais plus souvent. $15,000, ok. Encore de la vie, ça me va. Hein. On n'a jamais assez de vie, jamais assez de soins dans les jeux, vous le savez. Marqueur de la cité royale. Ok, il y avait quoi ici? Ok. Je suis quand même déjà à 4000. Hein. Comment sauvegarder? Ah, les œufs reviennent pas? Hmm. Intéressant ça. Sauvegarde. On va passer au-dessus. Encore l'aventure entre Jacques Chat et le clan du Python sur le plateau du surplomb. Monument, territoire, vous connaissez. Ok. Des trucs. Ah oui, d'accord. C'est très 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 haut. Non.
Nice. Échec. Ok. Je suis absolument pas sûr de là où je sautais. Hein. On va retourner là. Hein. Faut oublier qu'on a le marchand aussi qui nous vend des trucs pour nous améliorer. Ça, c'est ce qu'on n'a pas exploré encore. Ah. Le vent. Ok. D'accord. Aller vers la droite. Enfin, pas que aller vers la droite. Pas du tout où je vais. Je me laisse porter par le level design. Je sais pas du tout où je vais. Ces zones là, là, ce genre de grandes zones comme ça, ce qui est horrible c'est qu'il doit y avoir un milliard de trucs planqués. D'accord. D'accord, là il faut sauter dessus. Ok. Deuxième spécialité, à part les jeux de plateforme, c'est évidemment les jeux de timing. C'est horrible! Vas-y! Comment tu veux? Comment tu veux faire? Il y en a combien? Oui! Le point de sauvegarde? Non. J'aurais bien aimé. C'était horrible! Grand rebond.
LX pour frapper en l'air, puis X pour rebondir sur le sol et sauter encore plus haut. LX en l'air pour frapper le sol, puis appuyer sur X pour rebondir. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors c'est pas X, c'est A. Là en fait il notait LX en l'air pour frapper le sol, puis appuyer sur X pour rebondir sur le sol. Et en fait c'est pas X, c'est A. Voilà. Ça va être si j'appuie sur X... C'est l'attaque. Donc ils se sont trompés dans la touche. Ok. Ah oui, non, là je peux pas descendre, là, on est d'accord. Merde. De refaire. Il n'y a pas moyen de revenir au dernier. Dire c'est bon, j'abandonne. Alors, retour au dernier point de sauvegarde. Merci. Pas envie de refaire. Il n'y a pas envie de refaire. Alors. On est bien d'accord que j'ai le pouvoir. Hein. Oui. Ah oui, donc ce qui explique les endroits où des moments je devais sauter très très haut. Et j'avais dit on aura un triple jump ou une connerie comme ça. Donc c'était pas un triple jump, mais pas loin. Qu'est-ce qui arrive si on arrive à leur tuer toute leur vie à ces trucs-là? Ça. Là c'est pareil. Hein. Genre un petit passage secret dans le toit. Donc il faudrait retourner là. C'est parti. Allons-y. Heureusement qu'il y a le voyage rapide. Dans le backtrack. Ah bah oui. Et donc là, maintenant que j'ai le super saut, ça va être tout de suite beaucoup plus simple. Bonjour. Et vous êtes? Tu ne peux pas aller plus loin. Mais si je peux. Un instant, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu manies la faux cardinal de Mola? Et tu portes aussi son odeur. Qui es-tu réellement? Je m'appelle Jacqueline. Pourquoi est-ce que je devrais répondre à ta question? Tu as volé la relique de Mola. Je ne peux pas te laisser filer. Ok. Déjà ? Oh, il fait tellement mal !
là, c'est cassé. Ok, donc il faut casser, c'est parti. La prochaine que je dois casser, c'est laquelle? Quoi? Ça va tellement vite hein. Je comprends pas les attaques du boss. Elle s'est pas soignée? J'ai appuyé pourtant. Je comprends pas les attaques du boss. Des moments je prends des dégâts, je sais pas pourquoi je les prends. On est... On va retourner au village de ses morts. Il est où? Il y a la boutique et il y a le robot pour où on peut s'améliorer. Non, ça c'est pour aller à la boutique. Alors. Plus de PV, plus de PV, plus de PV. Ça me coûterait 7000, je peux les avoir. Ça, c'est pour restaurer plus de PV. Ça me coûterait 6500, je peux les avoir. On s'en fout, ça on s'en fout. Armure lumineuse augmente la puissance d'attaque. Les dégâts subis de 15%. Ah oui, non. Au moins considérablement de torsion des terres, ouais, mais ça coûte trop cher. Alors, est-ce qu'on veut récupérer plus de vie? Vas-y. Et il me reste 1500, je peux acheter ça. Ici. PV et lui, et je peux lui raffiner. Je peux lui en demander de faire les trois d'un coup. Okay. Donc là, ça me restaure 100 de vie par utilisation. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.